Bonjour les amis, salut les jeunes. À skip, comme disent les jeunes, alors j'ai cru que c'était une lessive au début, le skip. Merci. Et à skip, c'est-à-dire à ce qui paraît. J'ai appris ça par hasard. Donc à skip, je serais quelqu'un de raciste. Et bien je vous dis pas du tout. Je ne suis pas du tout raciste. Je reprends la phrase de l'acteur américain célèbre, vous connaissez Morgan Freeman, à qui un jour un journaliste a demandé comment faire cesser le racisme. Et Morgan Freeman lui a répondu, en arrêtant d'en parler, ne vous adressez pas à moi en tant que noir, et je ne vous répondrai pas comme si je parlais à un blanc. Adressons-nous d'être humain à être humain, et ça sera comme ça qu'on fera disparaître le racisme. Eh bien c'est pareil. Moi j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas d'arabe, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de jaune. Il n'y avait que des êtres humains qu'on jugeait en fonction de leur comportement. On n'est pas essentialisé et je conteste la dérive de cette société qui veut qu'on parle de noir, on parle d'arabe, on parle de blanc, on parle de jaune. Ça n'existe pas ça. Soyez français, respectez la loi, aimez votre pays, quelle que soit votre couleur de peau. Je vous aime. Maintenant, effectivement, si vous n'aimez pas votre pays, si vous l'insultez, si vous ne respectez pas ses lois, si vous faites des bêtises, eh bien, c'est normal que le pays vous tombe dessus, mais il ne vous tombera pas dessus parce que vous êtes noir, voire arabe ou blanc. Il vous tombera dessus parce que vous faites des bêtises. Arrêtez de faire des bêtises et tout le monde vous aimera. Voilà, je vous embrasse.